Chers amis, Shalom, Uvracha, Bishem Hashem, Naase, Benasliach, nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 octobre et le 26 du mois de Tishri. Je suis racheté ce matin par Shimon ben Rabbi Pinchas, Bezrat Hashem, Shem Shchavu Chayou, que ce shiur yagen alav ou bechol mishparto, bechol asherlo, bechol tzva agana l'Israël, Yeshuot venechamot, ahava ve'arva, shalom ve'reut, Bezrat Hashem, qu'on ait que de très très bonnes nouvelles. Nous allons parler un petit peu de ce qui m'a été le plus demandé, un cours sur le Chizouk, un cours sur Be'ezrat Hashem, la situation que nous vivons tous les jours avec cet honneur aboutissant qui mène beaucoup de familles à quitter le territoire par peur. Donc ils vont en France pour certains, d'autres en Belgique, en Suisse, aux États-Unis. Et puis il y a ceux qui restent et puis qui se battent pour soutenir notre nation au prix de leur vie et de leurs angoisses. Alors, nous allons parler un petit peu de ce sujet-là. Be'ezrat Hashem Yitbarach, c'est pas évident. Comme Shimon, donc, qui, est sur le front d'une certaine façon, et sa femme et les enfants qui sont plutôt inquiets de la situation. Il y en a qui partent demain, il y en a qui partent ce soir, et puis voilà, on se pose la question, ma yé. Alors, d'abord et avant tout, il y a une règle de sagesse qu'il faut toujours retenir. C'est qu'on n'a pas à s'angoisser au présent pour l'avenir, car l'avenir n'est pas encore là. C'est la première règle de la vie. Pourquoi parler de « j'ai peur de l'avenir » alors que l'avenir peut changer, car tant qu'il n'est pas venu, nos actions peuvent les changer. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble avec l'aide d'Hachem. Mais juste avant, j'aimerais partager avec vous d'abord plusieurs informations. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de messages WhatsApp, de vidéos, de ceci et de cela qui circulent. Par exemple, là, dans tous les WhatsApp, ça circule, voilà, l'armée va faire ceci et cela. Et voici les noms des soldats. Vous imaginez bien sûr, que même si on va dire que cette information serait vraie, on va dire qu'elle serait vraie, chose que je doute vraiment. Pensez vraiment que ce serait intelligent de mettre le nom des soldats qui vont rentrer ou pas dans tel et tel endroit ou tel et tel lieu sur les réseaux sociaux, alors qu'ils ont réussi à pirater, comme le prévient d'ailleurs le chef d'état-major, les WhatsApp, les téléphones et ainsi de suite. Vous pensez vraiment que ce sont des informations intelligentes? Et bichlal, est-ce qu'elles sont vraies? Par exemple, j'ai quelqu'un qui, lui, fait partie justement du contingent qui doit faire ceci et cela. Eh bien, son message a été, mais nous-mêmes, on n'est pas au courant. C'est-à-dire, ceux qui sont sur place ne sont pas au courant qu'ils devront faire telle et telle mission, et on en voit déjà qu'ils vont faire cette mission, et voici le nom des personnes, alors qu'ils n'ont pas encore été sélectionnés. Je pense qu'il y a ici un peu trop de panique, un peu trop de vidéos qui circulent avec des médias, c'est-à-dire avec des informations qui ne sont pas éclaircies du tout, qui ne sont pas confirmées et qui font plus de dégâts qu'autre chose. Parce que même si ce genre d'informations sont vraies, depuis quand est-ce qu'on va divulguer des noms de soldats? Vous savez ce que ça veut dire divulguer les noms et les prénoms des soldats sous prétexte qu'on doit prier pour eux? Vous savez qu'ils ont peut-être leur adresse aussi? Vous savez ça? Le Yodim. La reine, je demanderai à tout le monde de faire beaucoup plus attention et d'éviter de constamment mettre en panique tout le monde, parce que la panique est le pire ennemi de la sagesse et du savoir-faire. Reine Be'ezrat Hashem, Dai Imadvari Maele, les faits qu'il y en a pratiquement 50% des vidéos, des informations qui ont été données pour la plupart que j'ai vérifiées avec qui de droit haut placé sont fausses. On a même eu un devoir qui a été envoyé par l'armée en disant qu'on n'est même pas au courant d'aille avec ces choses-là. Il y a des choses qui sont demandées qui n'ont pas lieu d'être quand on les vérifie. Alors comment est-ce que ça sort? C'est pas que c'est faux, c'est que par exemple Itzra qui pose la question à 3-4 de ses copains à la base, il dit, ouais on n'a pas, ben tiens je fais une vidéo. Abota, c'est pas comme ça que ça marche, je vous le répète, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez vu la vidéo qu'on a fait hier, nous avons à peine eu les dons, nous avons acheté ce qu'ils ont demandé. Qui est venu prendre la marchandise? Les soldats eux-mêmes. Nous avons parlé avec les gradés les plus importants des camps militaires. Eux-mêmes sont venus. On veut avoir affaire à eux et non pas à des oui-dire et directement Yemina Ousmola. Ceux qui sont venus hier sont deux militaires de l'armée d'Israël qui sont venus selon la demande qu'on leur a faite pour prendre ce dont ils avaient besoin. Ren, je vous demanderai vraiment d'arrêter tous ces genres de messages. Ils sont temps, ils vont rentrer temps. C'est des paniques de grand-mère qui n'ont pas lieu d'être. Et même si l'information est vraie, je le répète, et même si pour les enfants hier, malheureusement, c'est vrai. Ken, malheureusement, oui.
Il y a des choses qui sont vraies. D'ailleurs, je voudrais en parler. Donc, laissez-moi finir le cours et après, je vous donnerai quelques instants pour les questions. Donc, la première chose que j'ai notée chez moi à partager avec vous, c'est son Bezrat Hashem, s'il vous plaît, toutes sortes d'informations qui ne cessent de mettre en panique le maximum de personnes. Il y a beaucoup de fake qui ont été lancés. Il y a beaucoup de gens. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé hier, ici à Ashdod. On a entendu des hurlements de jeunes qui ont crié « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». La police a été appelée en urgence. C'était des jeunes israéliens qui voulaient jouer de 14-12 ans, qui voulaient jouer les terroristes pour essayer de se, comment dire, de se motiver à ne pas avoir peur. Et donc, attention, des terroristes sont en bas, des terroristes sont en bas. Non, ce n'est pas des terroristes, c'est juste des enfants. L'information a couru. Et après, il y a eu vraiment un problème, comme quoi que le fait de jouer avec le feu peut amener à un sérieux problème. Puisqu'il y a eu hier soir, effectivement, des personnes qui ont été arrêtées. Alors, on ne sait pas s'il s'agissait d'Israël avec Israélien ou Israélien avec terroriste. On n'a pas encore l'information sur, si ce n'est que des bidires une fois de plus. Voilà. Ce que je voulais partager avec vous, c'est d'abord une étude très intéressante du Télim 23, que nous avons lu depuis, et on a l'habitude de le lire, Bezrat Hashem Itbarach, de façon assez importante, depuis le début des fêtes, duquel nous allons ensemble, voir ensemble, comme c'est marqué là-bas, ce Tehilim-là comprend toutes les fêtes de Tishri. D'accord ? Et on dit comme ça que Bekarov, Alay, Mereim, Lechol, Et Besari. Donc, dans le deuxième passou qui est marqué là-bas, quand les malfaiteurs approchent et dévorent la chair, or le massacre a lieu à Rim. Alors, comme ça, c'est marqué Bekarov, Alay, Mereim, proche sur moi, Mereim, et les massacres qui ont eu lieu sur la bande de Gaza ont eu lieu d'Afka à Reim, les Chol et Bessari, où les personnes ont été malheureusement, pour certains décapitées, pour d'autres brûlées vifs. Des familles entières ont été attachées avec du scotch et des cordes. Ça, ce sont des informations qui viennent de la Chevra Kadisha d'Ashdod, avec lequel je suis en contact et qui était sur place pour ramasser les corps, malheureusement, de. Aujourd'hui, le chiffre est de 1200 à 1500 cadavres trouvés sur la bande de Gaza et autres. Tzarenu Harav. Alors, les informations que je vous donne, vous avez sur les informations israéliennes. Et les 1500, c'est une autre information qui a été donnée d'une autre source. Tzarenu Harav. La reine Katoum Mereim, Reim, Mereim, de Reim, les Chol. Les malfaiteurs approchent et dévorent la chair. Or, le massacre a eu lieu à Reim. C'est la première chose que nous livre ce Tehilim que nous lisons pendant cette période. Im takum alay milchama bezot ani boter. Si se lève contre moi une guerre, eh bien, je ne compte que sur toi. Donc, si la guerre fait rage, alors je garderai confiance. C'est le troisième chapitre du Tehilim 23. Oufren y a marqué après ki yetzpenenu besuko beyom ra'a. Car j'espère en ta souka, le mérite de la souka, car au jour du malheur, sous sa tente, or tout a commencé le dernier jour de Soukot. Donc, Beyom Ra'a, ce jour terrible. Dans le verset 12, il est marqué Kikamu bi'aede sheker vifea Hamas. Et là-bas, il est marqué car se lèvent les témoins mensongers. Donc, on parle ici des témoins mensongers dans le Tehilim du roi David, numéro 23, qu'on lit pendant la période des fêtes. Duquel est marqué Kikamu bi'aede sheker vifea Hamas. Car se lèvent les témoins mensongers et le Hamas. C'est marqué noir sur blanc dans le Tehilim. Pour nous faire violence. Comme vous le savez, Vata Yarum Roshi al Oyevav Sivivotai, Ashera Veshmera Vechule Vechule. Donc je vous fais la suite pour ceux qui sont intéressés. Vata Yarum Roshi. Et maintenant donc tu élèveras ma tête al Oyev Sivivotai. De tous mes ennemis qui nous entourent, Ashera Vazamerala, donc on va aller s'occuper de si vous préférez, dans le Tehilim, comme c'est marqué, et ça finit avec Kavel Adonai Hazak Ve'ames Lebechav et Kavel Adonai, espère en Akadosh Baruch Hu, prends courage et il renforcera ton cœur. Et donc, Akadosh Baruch Hu, dans ce Tehilim 23, donc qui m'a été envoyé, Bezrat Hashem, ici même pour le partager avec vous, nous parle exactement de la situation qu'est le Tehilim qu'on lit pendant la fête de Soukot, entre autres, le Tehilim 23. Et donc, ici, on rappelle qui Besuko Yitzpeneni Ra'a. Pendant la période de la Souka, démarrera quelque chose de très dur à laquelle je voudrais partager maintenant
l'étude principale de ce premier cours. Il y aura plusieurs cours, j'ai plusieurs cours qui ont été achetés pour aujourd'hui. En même temps, ça nous fera un peu changer les idées, même si là on parle de l'actualité. Donc je m'en excuse pour ceux qui ont entendu des chiffres terribles. Et encore, je ne vous dis pas tout. Oufren Cheshbon Nefesh. Alors, je voudrais faire un peu preuve d'humilité dans le cas où vous pensez que je veux faire partie de ceux qui savent tout et vous ne savez rien, ce n'est pas du tout le message. La différence, c'est que moi, ce que je vous dis, c'est de sources sûres, avec des vérifications des gens qui sont sur place. C'est là ? Des gens qui sont sur place, c'est toute la différence. Ok. La première règle, quand une guerre vient, c'est que Akadosh Baruch Hu nous demande Cheshbon Nefesh. C'est-à-dire que quand quelque chose nous tombe sur la tête, les livres de Moussard, tous les livres de Moussard de toutes les tendances confondues, nous disent et nous demandent de faire Cheshbon Nefesh. Ça veut dire que chacun de nous devons donner rendez-vous avec nous-mêmes sur notre façon de diriger notre vie, nos midot et le lien spirituel que nous avons avec Hachem à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement de la Torah. Donc de ces mitzvot. C'est la première règle. C'est la première règle. Comme nous l'avons déjà dit, quelqu'un avec une femme qui n'est pas pudique, si vraiment elle veut aider nos soldats, si vraiment vous voulez aider le peuple d'Israël, si vous croyez en la Torah, si vous croyez en Dieu, c'est de prendre sur vous la tzniut. Behemet. Behemet. Parce que de lire des Tehillim tout en restant impudique, c'est pas que ça sert à rien, ça sert toujours à quelque chose. Daïk, ça sert à quelque chose. Mais ça arrange pas les choses. La différence, elle est fine. Ah ben, le but, c'est de changer. Le but, c'est de s'améliorer. Si t'es colérique, tu te calmes. Si t'es vulgaire, arrête de sortir de mauvaises paroles. Top. Réaliser que rien n'est acquis. On est un peu fatigué, oui, franchement, mon épouse. Ne serait-ce que toutes les nuits, elle travaille. Tout le monde demande des serfas. Tout le monde l'appelle pour beaucoup, beaucoup de choses. Valérie, ça fait, je crois, plusieurs jours qu'elle ne dort pas du tout. Elle est rentrée ce matin dans le lit à 5h du matin, épuisée. Elle est déjà debout en train de travailler à l'ordinateur avec trois autres bases qui l'appellent pour des demandes. Donc voilà, on travaille, on est un peu fatigué, donc je m'excuse pour le ton et le visage. Moi, je suis assailli de téléphone, je n'ai même pas notion de quoi je vous parle. Alors, je voudrais vous demander un service. Pour ceux qui veulent me poser des questions et qui m'appellent, ne dépassez pas une minute. Vous êtes trop nombreux, 3, 4, 5 minutes. Et des fois, c'est plusieurs messages d'affilée parce que je réponds à tout le monde. Donc, je m'efforce de répondre à tout le monde. Résultat, les gens pensent « Ah bah, s'il me répond, c'est qu'il est libre. » Je ne suis pas libre. Je m'efforce juste de répondre. Donc, si vous pouvez juste me faire question, je vous ferai la réponse, mais trop de détails. En plus, je vous lirai quelque chose qui est en rapport, mais j'ai eu cette semaine, pendant cette guerre, Rav Tuitou, ça va pas du tout à la maison, Shlom Bayit, mais comment ? Même pendant cette période, on trouve les moyens de s'insulter, Réaliser, deuxième point, donc on a parlé de Cheshbon Nefesh. Chers amis, je vous demande vraiment d'écouter attentivement les paroles et de partager ce shiur. Ouais, vraiment, que Dieu bénisse mon épouse et toute l'équipe. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est du non-stop. Elle m'a fait rire, elle a beaucoup d'humour. Elle m'a dit ce matin, une petite augmentation quand même. Ramouda. Tov. Réaliser que rien n'est acquis. On peut comprendre aujourd'hui plus que jamais, alors que nous sommes dans un des pays les plus modernes, les plus efficaces et les plus entraînés au monde. L'armée d'Israël est une des meilleures armées au monde, sachez-le. Les entraînements, l'efficacité de nos soldats est impressionnante. On voit vraiment la main d'Hachem sur un pays qui n'a que 75 ans, que Dieu protège chacun de nos soldats. Malgré tout, ce qui s'est passé doit nous faire réaliser que rien n'est acquis. Rien. Et je vous affirme que les dégâts, comme le disent d'ailleurs des soldats qui sont arrivés sur place, il y a la main de Dieu. Il y a eu un miracle, parce que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave. Vraiment. Beaucoup, beaucoup plus grave. Mais grâce à Dieu, le massacre a eu lieu, peut-être, mais il aurait pu être pire, et Dieu a évité cela, je vous l'affirme. Réaliser que rien n'est acquis, et que tout peut arriver de l'invraisemblable, comme cette horreur de massacre fait sur des civils, des bébés, des enfants. Hachem Ishmor V'Irachem. Tout comme du jour au lendemain la Géoula. Tout comme personne ne s'attendait à un tel massacre, une pénétration du Hamas sur le territoire d'Israël,
en toute impunité, en toute liberté, à venir cueillir des âmes, les massacrant, sans que personne ne les empêche, n'ont aucun obstacle. Et ils sont repartis à Gaza, sont revenus pour prendre d'autres. Selon le chiffre en Israël qui a été donné hier sur Wenet, il y a 240 otages du côté de Gaza, dont on n'est pas sûr du tout, du tout, du tout qu'ils soient encore vivants. Le Yodim Klum, pour l'instant, on espère Bezrat Hashem de bonnes nouvelles et on ne cessera de prier pour cela. Oufren Katouv, tout comme l'invraisemblable vient de frapper à nos portes, de la même façon, la Géoula aussi peut frapper à notre porte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de désespoir. Ensuite, comprendre que toutes les épreuves viennent toujours nous élever vers un plus grand horizon et toujours plus haut. Ce qui fait que de cette épreuve, sachez qu'Israël ressortira encore plus fort et plus grand. D'où l'importance de rester unis, ensemble et courageux. À propos de cela, vous savez que beaucoup de gens, et surtout des femmes et des enfants, ont particulièrement peur et sont dans une grande panique. Je ne parle pas des dégâts, malheureusement, qui sont pour l'instant mis de côté. Le pays est paralysé. Le pays dans lequel nous sommes est paralysé au niveau du boulot, personne ne bosse. On a dépensé tout l'argent qu'on avait pour les fêtes qui étaient importantes, on a reçu du monde. Ce qui fait que le travail n'ayant pas repris, on risque de se retrouver avec une situation financière très difficile. Et j'espère, Bezrat Hashem, qu'on se tiendra tous les coudes pour pouvoir nous soutenir, nous relever les uns les autres et veiller à ce que personne ne manque de rien. Alors, à propos des gens qui sont en panique, les femmes ont des raisons de l'être. Comme une femme qui m'a écrit tout à l'heure, mon mari part du côté de Gaza, je ne sais pas ce qui va se passer, je suis seul avec les enfants, est-ce que je reste, je reste pas, j'ai peur, je suis pas bien, je suis angoissé. Et beaucoup de femmes sont et d'enfants sont un peu en panique. Moi aussi. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, j'espère que les paroles que je vais vous dire vont trouver grâce à vos yeux et surtout conséquences dans les actes. Faire le shalom et instaurer une bonne ambiance à la maison. La guerre n'a pas lieu pour l'instant chez vous à la maison. Alors c'est pas la peine d'en créer. C'est la première des règles. Il y a trop de nerfs, trop d'insultes, trop de. Au lieu de se soutenir, de se relever, de s'encourager, c'est ce qu'il faut faire. On a marre, t'en as rien à faire de moi, casse-toi. Dai. Afelou zelo azman. Je sais pas comment les gens peuvent penser à se disputer. Viens, on se dispute. Emet. Le shalom et d'instaurer d'abord une bonne ambiance à la maison. C'est la première des règles. Vous avez voulu me faire du mal, vous nous avez remis ensemble. Ça, c'est une belle parole. Ne pas voir toutes les vidéos terrifiantes qui circulent, les massacres que le Hamas a opérés sur notre peuple. Les grands enfants, je ne veux même pas parler, mais sachez qu'il n'y a eu aucune pitié, mais des pires barbares au monde n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Les pires barbares au monde. Alors bien sûr, j'imagine que sur toutes les télévisions, ils vont montrer ce qui se passe à Gaza, des endroits qui ont été rasés. On rappellera qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On est obligé aujourd'hui, chers amis, sachez-le, on est obligé aujourd'hui, pour terrasser le Hamas, qui a utilisé des stratagèmes extrêmement malicieux, très fort, utiliser les mosquées, les écoles, les hôpitaux, où sont cachées toutes les armes, des boucliers humains, en l'occurrence les nôtres, pour cette mission-là, et aussi des leurs, pour pouvoir y accéder alors que tout est piégé à Gaza, eh bien, l'armée d'Israël est obligée d'agir de façon assez brutale. Alors bien sûr, ça va être montré dans toutes les télévisions. Regardez. C'est pas nous qui sommes rentrés là-bas. C'est vous qui êtes venus chez nous. Et on est obligé aujourd'hui de mettre un terme à une organisation terroriste internationale. Et je le rappelle encore dans cette occasion. Le combat que mène Israël contre ces groupes terroristes, c'est le combat de toute l'Europe et de tous les États-Unis et du monde entier que nous menons. Nous sommes juste les éclaireurs. Parce que demain, cette guerre qui est ici peut arriver chez vous. Et là, vous comprendrez
ce que nous subissons depuis tellement d'années. Alors ne vous laissez pas berner par des ignorants de l'histoire, des antisémites de sang. L'occupation israélienne. Israël n'a jamais occupé aucun territoire de personne, on n'a jamais enlevé un drapeau de qui que ce soit pour en mettre un de qui que ce soit. Il faudrait peut-être arrêter avec ces délires, et je me suis promis de refaire un cours pour tous ces ignorants haineux sur la vraie histoire du peuple d'Israël, s'ils le veulent, hein. S'ils sont prêts à écouter, sur ces mensonges qui ont été créés depuis le début. Et Guy Azman, Béhémet, de mettre les points sur les i avec tout cela. Troisième point, savoir que Akadosh Baruch Hu nous protège et qu'il nous aime. Sheneimar, Banim Lachem Elokechem. Vous êtes tous mes enfants, comme le dit la Torah. Et c'est pour cela que quand un père me viendrait même à lever la main sur son fils pour son éducation parce qu'il se conduit mal, c'est une maca d'amour. C'est un coup d'amour et non pas un coup de haine. La reine Akadosh Baruch Hu, malgré le massacre, malgré les larmes qui coulent dans beaucoup de maisons et de foyers en Israël, sachez que c'est malgré tout de l'amour que nous ne comprenons pas aujourd'hui, mais qui demain nous fera comprendre pourquoi. La situation peut changer par rapport à nos actions et sauver tout notre peuple. À nous de nous améliorer, comme le dit la paracha de Bechukotai, noir sur blanc. Si vous suivez mes préceptes et ma Torah, si vous suivez mes commandements, eh bien, je vous donnerai la paix, je vous donnerai l'abondance, je vous donnerai. Si ce n'est pas le cas, vos ennemis viendront et ils feront. Je vous invite à aller voir la 10e paracha du livre de Vaïkra, donc des Lévitiques, sur lesquels le contrat d'Akadosh Baruch Hu est marqué et stipulé noir sur blanc. Ce sont des choses qui ne sont pas agréables à lire ou à la paracha de Kitavo. Am Israël, Tzrim Larzor Bitshuva Behemet. Chayavim Larzor Bitshuva, c'est l'eau. Je ne profite pas de cette situation pour en parler. On doit faire Tshuva de toute façon. C'est l'eau Kachour. Mais aujourd'hui, plus que jamais. Mettre de côté nos querelles familiales, nos critiques, car elles créent une brèche pour nos ennemis. Aujourd'hui, nous sommes unis. Et il faudra impérativement continuer à le rester après cette terrible guerre, si Dieu veut. Comme le dit le Midrash, à propos de Aspasianus, qui était le père de Titus. Quand Titus lui a demandé à son père « Comment vais-je détruire Jérusalem? Comment je peux rentrer à l'intérieur et massacrer les Juifs ?» Il lui a répondu Aspasianus à son fils, Titus, « Laisse les Juifs se haïr et continuer à se colporter les uns les autres, car cela provoquera l'ouverture des portes de leur cité, qui s'ouvriront toutes seules. » Voilà ce qu'a répondu Aspasianus à Titus pour la destruction de Jérusalem. Donc notre haine crée des brèches, notre lachonara, notre motishemra, notre indifférence à l'existence de l'autre, crée tout simplement des brèches qui tueront nos propres enfants, lo aleinu velo aleichem. Parlez aux enfants avec amour, emouna et confiance en eux. Donc ne laissez pas vos enfants écouter des informations, ne laissez pas vos enfants vous s'approcher de vidéos. Retirez leurs ces portables non cachers qui sont un fléau au sein du peuple d'Israël. Lo yelcha masar, tu n'auras pas d'écran devant toi et pourtant, qui n'en a pas devant lui. Évitez donc toutes les vidéos difficiles et les infos pour eux, mais au contraire, de bonnes choses. Au lieu de vous occuper à de mauvaises choses, à parler constamment de cette guerre, il serait préférable pour les aider de lire des Teilim, le Tikkun HaKlali, des cours de Torah, lire des biographies, pour les hommes étudier le Talmud Beiyun, en espérant que toutes ces mitzvot aillent protéger nos soldats partout où ils se trouvent, ainsi que le peuple d'Israël. Alors, en ce qui concerne le fait de partir, personne ne peut dire aux uns ou aux autres ce qu'ils doivent faire de leur vie. On n'est pas à votre place. Moi, quand vous m'appelez en me disant, Titou, je reste ou je pars? Fais ce que tu veux. Moi, je reste. Tu me poses la question, alors reste. Pourquoi reste? Ben, pour deux raisons. La première, c'est que Am Israël, aujourd'hui, il a besoin de se sentir vraiment soudé les uns les autres. Donc, si vous êtes seul, appelez de la famille. Ne restez pas seul, vous avez le droit de déménager d'une ville à une autre ville. Partir en dehors d'Israël, je tiens à le dire une fois de plus, même si cela peut paraître complètement abject à vos yeux, mais ça reste quand même le pays le plus sûr du monde, malgré tout. Parce que si demain, Chas v'Shalom, en Europe ou ailleurs, les choses viennent amener une effervescence, il y aurait qui pour vous protéger? Quand ils ont envahi les Champs-Élysées, ils ont envahi les rues de partout, ils sont rentrés à l'Arc de Triomphe, ils n'ont trouvé aucun obstacle. Ils auraient pu faire ce qu'ils veulent. Quand Sarah Halimi a été massacrée, la police était juste en bas. Et le Rabbi l'a bien prouvé, puisqu'il est venu sur place faire ce qu'aurait dû faire le procureur, qui n'a pas été fait, et personne n'a bougé. Les Français ont peur. Les choses sont claires, il faut arrêter de se cacher derrière constamment des mots diplomatiques. Les Français, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'en un instant, tout peut se renverser. Et la reine,
de penser qu'en France c'est plus en sécurité qu'ici, qu'en Angleterre c'est plus en sécurité qu'ici ou ailleurs, moi j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Je dis que l'Arkadosh Baruch Hu il est ici, mieux vaut être ici que Zeberusha d'abord. Zrat Hashem. Velachen, Bisiata Dishmaya, c'est ce que je vous conseille vivement. Vous ne changerez pas de toute façon avec les informations ni les vidéos la haine démesurée de ces antisémites, antisionistes. Sioniste, c'est un mot de Sion, ça veut dire reconstruction du temple, si Dieu veut. La vérité sortira bientôt et je vous souhaite vraiment, par tous les moyens, de réussir à nous unir. On est assaillis, vous voyez bien que même pendant mon cours, il y a quelqu'un qui intervient, vive la Palestine, vive la résistance, ils appellent ça la résistance palestinienne. Un groupe terroriste barbare sans âme, Hachem Ishmor Irachem, Hachem comme Damam, et la vérité sortira. Et j'oublie juste un petit détail. Vous voyez, chers amis, les Babyloniens qui nous ont fait du mal, ils ont disparu. Vous voyez les Grecs, les Perses, pardon, qui nous ont assiégés, il n'y en a plus. Vous voyez les Grecs, Grande Grèce, les mecs baraqués, ils ont disparu. Vous voyez, Dom, ils vont disparaître. Eux aussi disparaîtront. Bientôt, si Dieu veut, il n'y aura plus de Hamas. Comme c'est marqué dans les Tehillim, le roi David a déjà annoncé, la Torah l'annonce. Lo ya'ot Hamas. Il n'y aura plus de Hamas. Et Bezrat Hashem, Israël s'occupera de cela. J'aimerais juste rappeler des chiffres, pour finir, que je vous demande de bien retenir. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de chercher sur Internet pour avoir la précision des chiffres. Mais j'aimerais juste vous raconter une petite histoire, moi qui vis ici depuis presque 38 ans. La raison pour laquelle je ne vous livre pas les chiffres, c'est parce qu'on ne les connaît pas vraiment. Mais je peux vous affirmer, écoutez bien ce que je vous dis, que depuis 30 ans, je n'ai pas été à 40 ans, depuis 30 ans, déjà depuis l'époque de Yasser Arafat, entre les pays arabes, les États-Unis d'Amérique, la participation de l'URSS en grande forme, et la Banque Centrale Européenne, on a dépassé de très très loin les 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars qui ont été versés à l'autorité palestinienne. Sans compter l'aide apportée à Israël, d'Israël aux Palestiniens, d'un montant depuis 30 ans de plusieurs dizaines de millions de shekalim, d'électricité qui n'a jamais été payée par l'autorité palestinienne, jamais été payée, qui s'élève à des millions de je ne sais pas combien, jamais ils l'ont payée. L'eau n'a jamais été payée. C'est nous qui leur fournissons. Les médicaments sont aussi fournis par Israël. Je vous dis des choses que je vis ici. D'accord ? Plus de 100 milliards de dollars ont été versés. Quand Yitzhak Rabin a donné 6000 M16, des armes, des munitions, des structures, construit et envoyé le béton, cet argent qui a été versé à l'autorité dite palestinienne, ces milliards, c'est bisof, ne serait-ce que les 50 milliards qu'Israël a versé à l'époque de Yair Lapid à l'autorité palestinienne, ont servi à recevoir sur nous toutes les bombes que nous recevons, à part l'aide de l'Iran et de l'Irak, à part l'aide de et de tout ce qu'on ne sait pas. Juste que vous sachiez qu'avec tous ces milliards, normalement, sur la bande de Gaza, il devrait y avoir des gens très pacifistes qui aient de quoi vivre pour eux et leurs enfants dans des villes dignes de JR et de Bobby. Au lieu d'utiliser cet argent pour construire leur lieu, avant que tout cela ne soit bombardé, rien n'a évolué. La pauvreté était terrible et elle est toujours. L'argent a servi à fabriquer des armes pour nous tuer, des tunnels pour pénétrer, des missiles pour nous bombarder. Et tout le monde le sait. Le pire, c'est que tout le monde le sait. Quand Sharon a ordonné de sortir du Gouche Katif pour la paix, parce que c'est ce qu'avaient promis les Palestiniens, c'est notre territoire. C'est notre propre armée qui les a fait sortir de là-bas. Tous les missiles que nous recevons essentiellement, c'est-à-dire on parle de plus de 50%, viennent exactement de l'endroit où on a démantelé tous les juifs
qui en réalité était la ritsoua de la sécurité. C'est de là-bas qu'il tire au nom de la paix. Pour libérer un pays, dit palestinien, qui n'a jamais existé dans l'histoire, qui n'existe nulle part dans le Coran, apparemment ils ne sont pas au courant, nulle part. Nulle part. Que de l'invention qui sert tous les Européens antisémites, qui sert l'histoire, qui fait beaucoup d'argent pour les médias, alors que la réalité n'en est pas du tout, du tout, du tout, ici même. Shem Yishmor V'Yirachem, au lieu de dire que nous massacrons, pour moi qui ai fait l'armée en Israël, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez ce qu'on ramassait, nous, à Gaza? Comme ça, vous le saurez une fois pour toutes, ce serait temps de dire la réalité. Vous savez qui fuit les Gazaouis, les habitants de Gaza, les Arabes de Gaza, vous savez qui y fuit? Le Hamas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il les massacre aussi. Moi, j'ai parlé ici en Israël avec des Arabes de Jabal Moukaber, avec des Arabes de Jérusalem-Est. J'avais une femme de ménage qui travaillait chez moi à l'époque, qui était de Gaza. Elle me racontait des choses que je voudrais raconter à personne. Il faut voir ce qu'ils leur font à eux. Et vous savez ce qu'ils me disent en secret? Plutôt ciel que vous reveniez, vous. Vous êtes humains. Ce sont leurs mots à eux. Alors c'est bien gentil à Paris de nous critiquer, aux États-Unis, à droite ou à gauche, je sais pas, toutes ces médias CNN. Venez vivre ce que l'on vit avant que cela ne vous atteigne. Et on verra vous comment vous réagirez. Parce qu'on vous a vu agir dans tous les pays africains, dans tous les massacres qui ont eu lieu, avec la Libye. Vous n'avez pas pris de gants pour attaquer, alors que vous n'étiez même pas concerné par le conflit. Mais il y avait des matières premières, alors cela vous avait intéressé. Quand on met la réalité sur la table, ça fait trembler tout le monde. Et on dit, ouh, c'est qui ce rabbin? De quoi il se mêle? Si vous ne vous mêliez pas de notre vie, ou si vous posiez des questions pour avoir de vraies réponses, alors on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que tout celui qui prône, renforce et nous critique face au Hamas est complice avec le Hamas. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Am Israël Chai Vekayam, et il y en a marre de mettre tout le temps des gants, d'être tout le temps diplomate, il y en a marre de tout cela. Mamash, Hegia Hazman, que la vérité sorte. Et les Européens, si vous comprenez bien le français, sachez que notre combat, c'est le vôtre. Parce qu'ils ont un ennemi, nous, mais vous aussi. Donc vous devriez peut-être un peu vous réviser et venir poser des questions avant de venir accuser. Voilà, je finis avec ce langage de M. Rabbin David Twitou, petit rabbin de rien du tout, mais qui pourtant, c'est beaucoup de vérité parce qu'il vit sur le terrain. Lui, par contre, avec une objectivité humaine. Et je vous le répète, j'ai des amis qui sont chrétiens, j'ai des amis qui sont musulmans, j'ai des amis qui sont même athées. Je suis en contact avec énormément de monde. Je n'ai aucun problème avec les humains. J'ai un problème avec les hypocrites, les menteurs et les animaux. Là, j'ai un problème. Ne m'en veuillez pas de ne pas aimer celui qui veut m'exterminer. Je vous dis à tout de suite pour un autre cours, Bezrat Hashem. Je vous demande de partager ce cours. Il serait temps, Béhémet, que, voilà, on se renforce. Soyez courageux. Vous savez, le Hamas, il a lancé un message terrible, et je finirai avec ça pour ce cours. Il a dit, on gagnera sur deux plateaux la guerre. On exterminera leur corps. Ok, vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. Et on mettra une panique dans leur tête. Ça, par contre, c'est dépendant de nous. Ne leur donnons pas raison. N'ayez pas peur. Je vous affirme que Dieu est avec nous. On se relèvera et on vivra des moments heureux. Je vous l'affirme. Comme je vous l'ai dit, chaque fois que Israël a subi des épreuves, c'est toujours pour monter plus haut. Notre drapeau flottera encore beaucoup plus haut vers les nuages de la libération et de l'espoir, comme son nom l'indique, Hatikva Gdoshava Teora. Yeshua de Nechamot, Am Israël Chai Vekayam, Bezrat Hashem, ne vous cachez pas, soyez prudents, mais n'ayez pas peur. Par contre, soyez vraiment prudents, aussi bien en Israël qu'en France et ailleurs. C'est pas évident ce qui se passe. Lo Yanou Velou Ishan, je mettrai ce que je voulais dire, et Femot, vous l'avez marqué avant moi, car le gardien d'Israël, ni le somnole, ni le dort, Bezrat Hashem.
Après ça, maintenant, j'ai encore d'autres cours à faire pour ceux qui veulent. Alors, on quittera un peu le sujet pour parler de Torah Netto, c'est-à-dire Torah, des sujets de Torah. Et tout cela, Bezrat Hashem, parce que ça a été acheté pour la réfoua de Shenema de certaines personnes, et puis en même temps, pour nos soldats. Parce que je peux vous affirmer que moi qui j'ai fait mon service militaire en France, j'ai fait mon service militaire en Israël, je peux vous affirmer que sans la Torah, il n'y a pas d'assurance. Vous voyez, tous les soldats, là, encore ce matin, avec ma femme, on était en train de voir, ils demandent des tzitzit, ils demandent des kippot, ils demandent des chaussettes, ils veulent absolument des caleçons, ils ont besoin. Trois bases encore nous ont appelés ce matin, on fournit, mais je fournis, je vous le répète une fois de plus, je veux fournir avec les responsables des plougottes, les responsables, les dirigeants gradés, pour être certain qu'on ne livre pas par rapport à certaines vidéos qui sont faites avec 3-4 personnes à qui il manque des choses. Ça ne veut pas dire qu'on va les dénigrer, mais on veut apporter exactement le besoin que la nécessité exige, et non pas Stam fournir, et ça va être mis de côté, parce qu'on a la responsabilité de votre argent. Et je vous avoue franchement qu'il me faut aussi votre autorisation, car beaucoup de familles aujourd'hui israéliennes sont démunies, ils n'ont absolument rien, donc j'ai aussi besoin de ramasser pour eux. Je ne vous parle pas du collège, je ne vous parle pas du binyan qui doit commencer, je ne vous parle pas de tout ça. Pour l'instant, on est concentré sur la guerre. Et je vous demande, Bezrat Hashem, pour ceux qui peuvent, d'intervenir avec nous. Il y a une chose que j'ai à vous dire. Je ne parle pas des autres, j'ai entendu pas mal de choses, je parle de nous. Je parle de nous. Nous, c'est sûr, c'est fourni, c'est 100%. Regardez, je voudrais montrer quelque chose que je n'ai même pas prévu. Voyez, je viens de recevoir tout à l'heure un don. Voilà, je vous le montre. Tzitzit. Voilà, vous voyez, c'est fait. Tzitzit. Il y a 1000 shekels qui sont là pour les tzitzit. Ça ira pour les tzitzit, puisqu'on nous a encore demandé des tzitziot. Vous voyez, cet argent m'a été donné tout à l'heure en bas, avant de monter à mon bureau. Cet argent ira acheter des tzitzit, c'est ce que veulent les soldats. Le besoin, ils veulent du tikkun haklali, ils veulent de sefer amidot, ils veulent être soutenus, ils veulent des pizzot. On leur envoie. Sachez qu'on leur envoie. Toutes les villes en Israël sont mobilisées aujourd'hui. Tout le monde ramasse, tout le monde fait ce qu'il faut. Riam Israël, j'espère simplement, mais vraiment simplement une chose, c'est que cette effervescence d'être enfin tous ensemble, de se sentir capable de se sourire dehors, eh bien continuera quand la guerre sera finie. Parce qu'à mon avis, ça risque de se dégrader encore plus. On a des comptes à demander au gouvernement. Où vous étiez, qu'est-ce qui s'est passé là? On veut des réponses. Il y en a certainement. C'est pas qu'on a perdu confiance en notre gouvernement. Mais par contre, on a beaucoup de questions à poser au gouvernement. Et j'espère, Bezrat Hashem, que cette grande leçon que nous prenons aujourd'hui, chers amis, que nous avons subie par surprise absolument invraisemblable, à la veille des élections de chaque ville d'Israël, vous apporterez votre soutien pour la sauvegarde de la tradition de notre Torah dans chacune des villes. Je ne fais pas de propagande pour nous ici à Ashdod, je parle de toutes les villes d'Israël. Sans la Torah, on est perdu. J'espère que vous apporterez vos voix à tout celui qui sera un représentant du gardien de notre Torah, Bezrat Hashem Yitbarach, et de notre sionisme. Hashem Yishmor Etrem, et à tout de suite pour d'autres shiurim. Toda Rabah.